Paris, Romain Diop, une nouvelle fois. Alors, suivant Vivien Gonnet, extérieur. Ah bah, il fait l'extérieur. Hein. Attention, extérieur. Il fait l'extérieur, il va être 3. Alors, ah, peut-être pas. Non, non, là, ça va être. Là, il a disparu. Ah, là, il est un petit peu plus un, en. 2, 3. Ah, là, oui, il est 6ème. Oh là là, oh. Quel mauvais départ. Oh là là. Attends, il passe tout à l'extérieur là-bas. Donc, ouais. il est déjà 4. Voilà. Et là, il va faire le freinage. Il y en a un qui lui a fait un sacré oui. freinage. Il y en a un qui a fait le freinage. Là, je sais pas qui c'est. Il a pas lâché l'affaire. C'est peut-être Jonathan. Et à l'extérieur, Vivien Gonnet. Deuxième Vivien Gonnet, alors qu'on n'a pas fait un tour. Allez, public, il n'est pas incroyable. Il n'est pas incroyable, Vivien Gonnet. Il est deuxième. Regardez le maillot jaune. Dans les roues, il passe. Il est passé. Oh. Allez, s'il vous plaît. À fond, on applaudit. Vivien Gonnet. Allez. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Incroyable. Vivien Gonnet, un tour, il prend la tête. Ah, c'est Brancy en plus qui est deux. C'est Franck, son collègue. Et il prend le record du tour en plus. Et où est Romain? Et où est Romain Geoffre? Ah bah écoute, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas passé, Romain. Septième. Septième. Ah, ben bah oui. Alors, ah, ben bah, il a perdu un peu de temps, mais en attendant. Incroyable. On reste ébloui devant la performance de Vivien Gonnet. Moi, je me suis dit, en partant dernier, ouais. ça va faire du spectacle, mais il ne pourra jamais remonter ouais, bah jusqu'à alors, la première place. Sinon, oh, tu parles, 800 mètres. On le fait partir à la moitié du circuit derrière, alors la prochaine fois, oui. Il partira demain matin pour la grande finale. Incroyable. Avant les autres. Oh là, puis regardez, il a mis 4 secondes ouais, à ses ouais, petits ouais. camarades sur un tour. Cet homme-là est phénoménal. Allez, on applaudit quand il passe. Bravo, Vivien. Allez, Vivien Gonnet. Qui va aller chercher le grand chelem absolu. Il va peut-être tout gagner. Ah, oh, c'est exceptionnel. Ah, Franck Brancy, génial. Migon. Là, c'est la troisième place du général qui joue, c'est chaud. Hein. Exactement. Mais ça devrait être Martinez, quatrième. Ouais. Normalement, s'il ne fait pas d'erreur, il est quatrième. Pour l'instant, il devrait être troisième, mais tranquillement. Allez, il faire son deuxième podium. Romain qui passe à l'ex. Et il est passé. Ça passe. Et je trouve qu'on a de plus en plus de dépassements par l'extérieur cette saison. C'est pas mal. Hein. Mais en attendant, moi, je suis ébloui par la performance de l'homme de tête qui, avec son maillot jaune, qui avec. Son titre de tenant du titre l'année dernière et qui va une nouvelle fois atomiser tout le monde. Ah bah il l'aura pas volé cette année. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire, mais il faut mesurer la performance quand même. Parce que partir dernier, regardez-le comme il se balade, regardez comme ça a l'air facile avec cet Husqvarna. Oh là là, Vivien Gonnet. Philippe Roland qui lui a fait une moto de malade cette année. Oui. Alors deuxième. Allez, Romain Geoffre qui passe 3, hein, qui passe Nigon. Franck Brancy 3, Geoffre. Franck Brancy 2, Geoffre 3, Nigon 4, Martinez 5, Mongardi 6, Dardaillon c'est bien 7ème. Attention, Renaud, Brancy, 8. Qu'est-ce qu'il a fait Brancy en première? Il était tombé. Il était 13. Il était 13, Franck Brancy, dommage. La première. Ouais. Ah oui, là ça sentait le podium. Oui, ouais, ça sentait le podium pour lui, mais c'est dommage. Dommage. Et pour l'instant, le podium, ça va être Gonnet, Geoffre et Martinez, normalement, ouais, si oui, je ne me suis oui, pas oui, trompé. Si ça reste comme ça, oui. Alors, allez, l'électrique. Voilà, l'électrique, ça va un peu moins vite que les copains. Hein. Ah, mais c'est génial. C'est génial. C'est top. La Suronne, c'est top. La Suronne, Storm. Storm. Et voilà, Vivien Gonnet. Allez, Vivien. Vivien Gonnet, on va lui mettre plus façon, de tour. Ouais, ça se passe pas mal. Ouais. C'est plus un chronomètre qu'il faut, c'est un calendrier maintenant quoi, pour compter ça va, les écarts. Ouais. Oh là là, mais c'est incroyable, regarde le génial. Temps. Il a 7 secondes d'avance sur Franck Brancy. Attention, il a 10 attends. Secondes sur Nigon. Geoffre a disparu. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Geoffre n'est plus là. Ah. Romain Geoffre a dû tomber, il n'est pas là, Romain Geoffre. Attention, il joue la deuxième place podium. Du général. Aïe. Et il est là. Il passe 12e. 12e. Non, 13e, pardon. Romain Geoffre. Donc, pas de podium déjà. Ouais, non, ça ne va pas le faire là. Podium, non, c'est mort. Ouais, 13-2-2. 13-2-2. Ouais, ouais. Ah, bah oui. C'est Brancy, du coup. Peut-être. Ouais. Une place. Incroyable. Ah, ouais. Alors, qu'est-ce pour l'instant, qui lui est arrivé à Romain, ouais. Ben, je sais pas, il une petite tomber. Chute, mais ouais, bon, ouais. Je pense que ça va pas le gêner pour la deuxième place, par contre. Allez, dernier tour, on encourage, s'il vous plaît, le public, c'est le dernier tour de la MV Cup 2022-2023. Et attention, parce qu'au classement général, ouais. Johan Nigon n'avait que 7 points de retard sur Romain Geoffre. Ouais, mais il a fait des mauvais résultats les deux premières finales. Ouais. Non. Oui, si. Enfin, écoute. Allez, on verra bien tout allez, à l'heure en attendant. C'est le dernier tour. Ouais, et malheureusement. Et c'est la fête. Ouais. C'est la fête on pour le maillot jaune, pour Vivien Gonnet. On veut que ça continue. Ah ouais. Il a fait un truc exceptionnel et je pense que dans le tour de décélération et lorsqu'ils vont se présenter devant vous là-bas, amis publics, vous savez que c'est la tradition. Jamais fait. J'espère que incroyable. Vous saurez lui témoigner votre gratitude et surtout l'exploit fabuleux qu'il vient de réaliser. Grand chelem complet pour la saison. Allez. 2023. On l'applaudit, public, il a allez. Tout gagné, il a tout gagné, incroyable. Incroyable, il a tout gagné, allez.
Oula, mais allez, voilà, ils sont loin. Ah, mais oui, il y avait 7 secondes. Allez, Brancy, deuxième. Ouais, génial, Franck. Allez, sur la warrior. Oh, il est comme un dingue. Allez, après, troisième place. Troisième, Grégoire. Troisième. Qui c'est qui fait 3? Eh, c'est Joanne Nigon. Nigon, ah oui. Mais bon, ça suffira pas, je pense, pour Martinez, cinquième. Mongarni, Ortega, voilà. Bon, il était sur la deuxième ligne tout à l'heure, hein, donc moi je joue pas. Les calculettes, ouais, hein. Il va falloir sortir les calculettes. Allez les motards. Bon ben José, écoute, voilà. on s'est drôlement régalé. On génial. A eu un... Ah, et on entend la Sermon 5 d'Arthur Mongarni qui en termine à son tour. Génial, génial. On a eu quelques frayeurs sur cette super la dernière finale, de la saison. De tout le trophée, oui. Ce qu'on retiendra, eh bien, c'est qu'on avait cette année un exceptionnel Vivien Godet, qui est le premier dans l'histoire de la MV Cup à faire le grand chelem, c'est-à-dire à gagner toutes les finales et toutes les super finales. Ah, ouais.